prochaine chanson compare le journal au bar, le quotidien. Mon quotidien, les infos générales. Je ne conçois pas un jour sans mon papier recyclé. Ces curiosités pour savoir ce qui s'est passé. Je me tenir au courant du monde économique. Je suis peut-être con, mais je comprends la page politique. Que se passe-t-il près de chez moi? Les infos régionales, allez, c'est bon comme ça. Je lis le sport en finale. C'est bon, tout le monde va bien. Je peux replier le journal, c'est pour le samedi matin, quand tout ne va pas mal. Je peux aller faire des courses, aller faire mon quintet, aller j'embarque ma bourse, j'ai bien boire une volée. Mais nous sommes beaucoup à lire ce même journal, certains de bout en bout, d'autres en diagonale. Certains se contentent même de lire sous les images, attendent qu'un autre se ramène et leur raconte la page. Bienvenue dans la petite ville. Bistrot ouvre demain. Vous pouvez dormir tranquille. Vous aurez vos quotidiens. Des ragots, il y en aura plein. Nos tables sont beaux, costard bien apprêté. Ils reposent des journaux, car y'a rien à verter. Ils en battent pas au boulot, sans sujet de la journée. C'est que le vice machin continue à se droguer. Il y a tel magasin qui vient d'être liquidé. Et regarde celui-là, il vit de la musique. Ce sont nos impôts, les gars, qui s'envolent, c'est tragique. Cher depuis 7 heures, qui pourrait bien baver pour retenir plusieurs. Oreilles à traîner, qui se transforment en bouche, nous prennent à dégueuler. Des histoires un peu louches, des racontes profilées. Et cette sorte de rêve, est-ce la nature humaine? La mienne, ça me gêne, ça traîne ma peine. Et ça traîne mon dégoût, quand je rentre en sortant. Un monsieur, je sais tout, qui ne sait rien à m'apprendre. Un nouveau fait divers, issu de la boulangerie. Justement.